i you Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Christ, en ce 25e dimanche du temps ordinaire de l'année A, la liturgie de la parole nous convie de méditer sur euh, ce dieu qui est les propriétaire de ce monde le, pré le propriétaire de la terre le propriétaire de notre vie c'est lui qui nous guide c'est lui qui nous récompense c'est lui qui nous protège c'est lui qui nous pardonne c'est lui qui nous conduit la parabole des ouvriers de la onzième heure dénonce la jalousie de ceux qui estiment être plus méritant et refuse ainsi le pardon accordé au nouveau. Bien-aimé dans le Christ, la onzième heure faudrait dire la dernière heure de travail. Dans cette parabole, le premier à être embauché a fait un contrat avec le propriétaire de la vigne de recevoir le salaire équitable. Et donc, chaque groupe qui a été embauché a justement fait ses contrats. Mais nous pouvons voir que les ouvriers de la, de la dernière heure, les ouvriers de la onzième heure, en réalité, n'ont pas fait un contrat. Le maître leur dit, mais vous êtes laissés toute la journée sans rien faire, venez travailler. Jésus va conclure cette part de l'évangile en disant, le premier seront les derniers et le dernier seront le premier. Bien évidemment le Christ. Dans cette parabole, il ne s'agit pas de la justice humaine. Il ne s'agit pas de la justice sociale. Sinon cela est tout simplement scandaleux. On dirait qu'il s'agit d'un maître injuste. Il ne s'agit pas de la justice sociale. Sinon les ouvriers sortiraient sur la route pour aller protester, pour aller marcher, hein, pour réclamer leur dû. La parabole nous convie sincèrement de contempler le maître de la vigne qui est Dieu lui-même. Dieu ne fait pas de différence entre les uns et les autres. Il nous aime bien. Il donne le temps au temps pour que toute personne puisse se convertir puissent un jour goûter à la félicité éternelle. Mais la réaction de premiers ouvriers nous fait justement comprendre comment nous sommes remplis de la jalousie, nous fait comprendre comment nous voulons justement voir les choses dans le sens d'un nivellement à tout prix. Bien aimé dans le Christ, Dieu nous exhorte par le truchement de cette parabole que Jésus nous relate de changer notre regard, de changer le regard envers les uns et les autres. Pas toujours le regard de jalousie, le regard d'envie, le regard d'autant de réactions, le regard d'insulte, le regard de dénigrement. Non. Jésus, à travers ce parabole, voudrait que nous puissions obtenir le regard de Dieu, le regard d'amour, le regard de fraternité, afin que nous puissions progresser. Progresser dans des bonnes relations, progresser dans notre sens profond d'être une personne humaine créée à l'image de Dieu. Bien, chers frères et sœurs, la chance d'être embauché et de travailler est quelque chose qui en oublie la personne. Rien de pire d'être chômeur. Quand on est chômeur, en fait, on dépend des autres. Quand on est chômeur, on devient un mendiant. Quand on est chômeur... On est compté pour rien parce que on doit vivre des efforts des autres. Rien de plus merveilleux, par contre, de travailler, de participer par sa tête et sa main à la création et à la rédemption. La valeur du travail. Dans nos différentes sociétés, parfois la valeur du travail est foulée aux pieds. C'est une personne qui travaille pour nourrir bien des bouches. C'est drôle et c'est malheureux de voir cette façon de faire. Nous avons du mal à créer du travail, surtout ici en Afrique. On a du mal à créer du travail. Et nous attendons que le ciel puisse tomber pour créer du travail pour nous. ce malheureux. La chance d'être embauché, la chance de travailler, cela fait la joie, parce que on est occupé. Quand quelqu'un n'est pas occupé, il passe son temps justement à jalouser les autres. Quand quelqu'un n'est pas occupé, il travaille pas. Il, commence, il va commencer à envier les biens des autres, à fomenter des éditions, comment aller voler, comment les détruire, comment les casser. Bien chers frères et sœurs, travailler, c'est un don. Travailler est une grâce parce que cela nous donne la chance de participer avec notre intelligence, de participer avec de nos énergies physiques, de participer. Avec nos mains à la création. Et donc nous devenons des co-créateurs. Nous devenons des co-créateurs parce que nous continuons justement la mission de la création à travers notre travail. Et donc le maître de la vigne, à la dernière heure, à la onzième heure, il voit des gars qui continuent encore à chômer, les dit Mais venez travailler, venez recevoir une valeur ajoutée de votre vie, venez, ne restez pas oisifs. Il faut éviter d'être oisif parce que cela vous amène à des péchés inutiles. Le maître de la vigne, c'est Dieu lui-même. Avec cet adage, quand on aime, on ne compte pas. Voilà, quand on aime, on ne compte pas. Et donc, la rétribution matérielle est accessoire, tandis que la rétribution spirituelle est plus que tout cela. Par exemple, la rétribution spirituelle, c'est un travail bien fait. La rétribution spirituelle, c'est de gagner pleinement nos relations interpersonnelles. C'est de progresser dans la création du monde avec respect et considération. C'est la rétribution spirituelle que le Maître nous donne comme les ouvriers de la Onzième Heure. Le premier, ce sont eux qui se vantent parce qu'ils ils ont reçu le baptême comme bébé. Ils ont été éduqués dans la dynamique chrétienne. Ils observent la loi. Mais parfois, ils n'arrivent pas, comme les génomes riches qui avaient répondu à Jésus que tout cela, je les ai toujours observés dès ma jeunesse. Jésus dit il te manque quelque chose. Va, vends ce que tu possèdes, donne cet argent aux pauvres, viens et suis-moi. Jésus nous invite à les suivre, à changer notre regard, à avoir du respect envers les uns les autres, à avoir du respect à la personne humaine, à avoir du respect à la valeur du travail, à avoir du respect à la création. Ouvrons nos cœurs afin que nous ne puissions pas rester au bas niveau de la justice sociale qui ne s'élève pas à contempler cet adage, quand on aime, on ne compte pas. L'amour de Dieu, c'est sa pitié envers nous. L'amour de Dieu, c'est la compassion envers nous. L'amour de Dieu, c'est la miséricorde à notre endroit. Il nous aime tant et il ne compte pas. Insérons-nous dans cette dynamique pour que nous puissions aimer sans compter, ainsi obtenir le regard de Dieu. Recevez la bénédiction du Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.